Dans notre village, oui, on consomme ça beaucoup. On consomme l'animal beaucoup. Jeanne Mwakembe vend de la viande bouche sur le marché principal du Lukolela. Une vie isolée sur le fleuve Congo, dans la République démocratique du Congo. Nous prenons les pirogues chaque mardi ou mercredi. On va là-bas, on fait 2 jours là-bas à Manga. Alors vous achetez et vous amenez ça ici. Nous trouvons, peut-être il y a aussi des chasseurs qui viennent du forêt. Il y a des caïmans, il y a des sangliers, il y a des mbolokos, il y a aussi des antilopes, il y a aussi des éléphants peut-être. Alors quand ils viennent, ils nous vont ici à Lukolela. Mais selon Jeanne, les choses ont commencé à changer il y a 10 ans. Parce que ça ne voit pas. Ça ne se voit pas comme auparavant. Nous sommes vraiment très inquiétés. Parce que quand vous avez deux têtes de cet animal, vous avez beaucoup d'argent. Alors quand vous faites un trajet de 2 jours, vous restez vos maris à la maison, les enfants, et vous partez là-bas pour chercher. En arrivant là-bas, vous ne trouvez rien. Vous rentrez, mes brebis, c'est-à-dire, ça nous choque. Ça nous inquiète beaucoup. I mean, there is clearly an over-harvesting in some places and in some spaces. So we can say that it is unsustainable, yes. Ruben Nassi, un chercheur au Centre de recherche forestière internationale, a dit que l'explosion démographique du bassin du Congo est le moteur de l'augmentation de la consommation en viande de brousse. If nothing is done, if people keep on hunting at the same level, I mean, so that there will be a shortage at one stage. Tamanga Ekwayuli et Zoro Ndeli vivent à 60 km de Lukolela, dans un village en bordure d'une zone protégée. La chasse de viande de brousse ainsi que la pêche sont les moyens par lesquels ils soutiennent les familles. Bon, on a préféré la chasse, mingipo et on a canot rapide. Les lokaka, ce qui nous a pas suivi, ok, on nous a fait horoscope et habillé, putain, le bamaka, ton coulou, pas ton coulou, azam, quand la mingité, on s'est sauvé. Après chasse, les apons à vendec. Les chasseurs posent des pièges pour les petits animaux comme les porc-épics et les rongeurs. On a mis tout ça par jour, on a 30 bimaka. Pour on a mis tambo. Mais pour nous, on a mis il faut quand même les rater à 2 semaines à 1 semaine. Pour nous, on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça, et puis mboula a mis ça, et on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Mais Ekwayuli a aussi remarqué un changement. On a mis ça, on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça bien. Mais après, tout ça, la souffrance, c'est pénible, ma tout ça, souffrir, ma carte, c'est pénible. C'est très difficile. Selon Robert Nassi, les interdictions totales de chasse, qui sont la norme dans la plupart des pays du bassin Congo, ne fonctionnent pas. For the very reason, there is no alternative. I mean, sort of, if someone is in a village and you told these people, I mean, stop hunting, what are they going to eat? Au contraire, les lois devaient pénaliser les gens pour la chasse d'espèces vulnérables tout en les permettant de chasser les espèces communes. Something like 60% or 70% of the catch are rodents. And many of these rodents, I mean, they are like rats. So they reproduce very fast, they are pretty resilient to hunting. And then there is a sort of the opportunistic kill. People go out and they have a gun and a cartridge and they will shoot whatever they find. If they find a gorilla, they will shoot a gorilla. So you should find a way to protect the species that need to be protected while not bothering people hunting what they can hunt. Si pendant les chasses, Ekwayuli Ndeli s'égare dans la réserve de Tumbaledima avoisinante, il risque d'être attrapé par une patrouille de gardes forestiers dirigée par Jean Mapima. C'est son travail de défendre la zone protégée contre les braconniers. Au début, c'était une chasse, dans l'ancien temps, c'était une chasse traditionnelle. C'était pour la consommation. Mais maintenant, il y a une chasse commerciale qui s'annonce, qui progresse. Et avec cette chasse commerciale, nous sommes en train de voir cette évolution très, très, très vraiment dangereuse. Les gardes de Mapima essayent de sensibiliser la communauté sur les risques
mais il sait que c'est un problème complexe. Cette chasse commerciale est née, c'est pas tellement loin, à cause de la pauvreté, à cause de manque d'autres encadrements à la population. C'est ainsi que la population se donne entièrement à cette chasse pour aller vendre, pour payer les minervales des enfants, pour payer les habits avec ça. C'est ça que cette chasse-là est devenue vraiment commerciale. Et c'est vraiment très risqué qu'à la longue, il y aura l'extinction de quelques espèces. Une façon d'aborder le problème, selon Ruben Assi, est de réduire la consommation de viande de bœuf dans les zones urbaines. A lot of the action has been at the hunting, stop hunting. Well, as long as there is someone willing to buy, there is someone willing to sell. So if you can reduce the consumption in the city, which is easier because in the city you have access to more meat, different type than when you are in the village, and you cannot stop completely, but I think you can reduce significantly, at least for the protected species, then that will be one way to balance. Will it work? I'm not sure, but I mean, so at least we have to try. Chaga munang mubutu, chaga munang mubutu, chinaga munang chifulu chifulu.